tossed, nor wind to blow. Reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again, let it be known. There is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road. Avez-vous besoin de moi aujourd'hui, M. Gagnon? Va donc faire ton ménage des enclos, ma grande bergerie. OK? Salut, la voisine. Et où ça va tout vendre? Des mantelles. Ça t'intéresse pas? T'attends du monde? La plus grande, avec ses enfants et son mari. Puis la plus jeune, elle. Frédéric? Bon, avec elle, on sait jamais. Elle donne pas souvent de nouvelles. Elle va peut-être me faire une surprise. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Tiens, t'auras du dessert. Bien gentil. Merci. Je suis rentré, c'était pas barré. Dans deux minutes, tu vas être moderne. La ferme Gagnon et fils devient moderne. Tout le génie humain chez mon ami Gabi. Tu vas pouvoir rentrer toutes tes factures et tes dépenses à mesure. Tes rapports de traçabilité. On va sauver du temps avec toute ta paperasse, mon bébé. Non, j'aime mieux continuer à donner mes papiers que tu le fasses toi-même. J'ai pas de place pour ça ici. Oh, Gabi, tu vas voir. C'est simple, mon Gabi. Combien je te dois? Gabi. C'est de la récupération. C'est le centre jeunesse en ville qui reconditionne.
Des bombes qui font de l'électronique, des voleurs de bicycles. Vous allez voir ça, mon Gabi. C'est le troisième que je vais chercher. Le grand vendeur, il me dit qu'il faut être organisme à but non lucratif. J'ai dit, ben, c'est pour une femme, par là. Moins lucratif que ça, c'est de la charité. Vu que j'y apporte des papiers pour prouver ta raison sociale, mon Gabi. Il va aller chier que sa raison sociale, mon petit grand fendeur. Moi, je voulais les encourager en ramassant de cochonneries. Ma verra plus. Ça va faire, là, comme ça va faire. Ah. Du niaisage, ça finit plus. On va regarder plus tard si ça marche. T'attends de chaud ton ventre pour le 20 semaines? Mm-hmm. Tant mieux. On va faire un petit paye content, hein? Toute la grande société qui débarque. Je te dois combien pour l'ordinateur? Rien, je te l'ai dit, c'est gratis. Mon ami Gabi, il faudrait bien que je te branche sur Internet que tu puisses aller voir les petites femmes tenues, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça allera tout le beau monde-là pour moi. Tu veux quelque chose en ville, des commissions? Non, je vais sortir. Je vais aller ici au village, là, c'est correct. Tu m'appelles si tu t'ennuies? Le gros, reste ici! Salut. Ton mari, lui? Ah, il y avait trop de travail. Il n'a pas pu venir. Ah ben, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là, ce grand enfant-là? Hey! Puis l'autre, là, on va venir te chercher. Mmh. Comment ça va? Ça m'a fait des tout le monde de ta hausse là-dedans. Tu vas aller voir les moutons? Ah, ça l'empêche de voir le grand-papa, hein? Ouais. On va y aller. Je vais aller porter les sacs dans la maison, OK? Veux-tu le prendre?
moi. Oh oui, mais il n'y a pas de danger. Frédéric, elle, ne voulait pas venir. C'est parce qu'elle n'avait pas d'argent pour prendre le train. J'aurais pu y payer son billet. Je l'ai appelée pour lui offrir d'aller la chercher, mais elle m'a pas retourné l'appel. C'est à croire qu'elle veut pas nous voir. On ne doit pas être assez important pour elle. La vois-tu de temps en temps? Pas plus souvent que toi. Vous pourriez vous forcer un peu. Essayez de vous voir un peu qu'elle voit ses neveux. C'est ta soeur, vous êtes juste deux. Moi, je vous vois pas pour que je reste loin, mais vous autres, restez dans la même ville. Vous avez pas de raison. On est dans la même ville, mais on n'est pas dans le même monde. Elle a ses amis dans le théâtre, à l'université. Moi, c'est les enfants, nos amis, la famille de Steve. Vois-tu souvent ton monde, toi? Vois-tu souvent tes frères? Vous pourriez faire un effort. Essayez de vous voir un peu, au moins vous donner des nouvelles. Ce serait pas si difficile. Ah, pas ce soir. Ouais. Je vais t'aller. Allez. Allez. Ils vont venir tout mêler. Mais ils n'ont pas tout mêler, leur père est anglophone, papa. Ouais. Puis, par ici, c'est quoi nouveau? Pas nouveau. Juste du vieux. Bon, on est paresseux. Paresseux, t'as dû avoir 3 jours de congé en 40 ans. Chanceux. J'aurais pu en avoir juste 2. Non, ça fait des mois que je suis pas venue par ici, là. C'est pas nouveau, mais ça va bien y avoir quelque chose. Je sais pas. J'ai perdu un petit agneau un matin. Mon voisin s'est acheté un tracteur neuf, c'est ça, nouveau. Je sais pas comment il va faire pour le payer, son tracteur. Ça coûte cher, du neuf. Des fois, on est mieux de rester avec nos vieilles machines toutes estropiées. Puis ton mari, lui, ses affaires? Il travaille beaucoup. Il est souvent parti, là. Il y a des nouveaux investisseurs qui se sont intéressés, fait qu'il faut qu'il les rencontre. Souvent. À Toronto? À Toronto, puis à Vancouver, puis à New York. Il se promène, là. Il y a quelqu'un dans le cours? Ah, c'est le petit Bouchard. Le fils d'Irène puis Jean-Marie. Il vient me donner un coup de main comme ça, quelques heures dans la semaine. Ça me donne un petit répit. On est samedi. Ah oui, on est samedi. Ça, j'ai déjà essayé de l'expliquer aux moutons, là. Ils comprennent rien. J'ai demandé de venir aujourd'hui, autrement, j'aurais pas pu manger avec vous autres. Qu'on deviendrait bons amis, ce serait pas long. Je leur ai promis chacun un mouton si vous venez rester par ici. Papa. Hey! Voulez-vous que j'aille vous montrer le petit lac? On va aller jusqu'au bord du petit lac? Allez-y, vous autres. Il faut que j'aille travailler, j'en ai assez profité. Allez, allez, venez. Je vais vous montrer au grand-papa de les voisines quand il était jeune puis fringant. Thank you.
partez déjà? Vous pouvez y rester jusqu'à demain pour que ça vaille la peine, là. On est 6 heures de route à faire. Je peux faire partie maintenant. Vas-tu passer voir ta mère en montant? Maman, je l'ai vue il y a pas longtemps. Elle est venue passer une semaine à la maison. Mais tu sais, tu peux venir nous voir, toi aussi. Mais non, c'est bien que je peux pas. Bon, ben, on va essayer de revenir bientôt. Salut, ma grande. Vous allez revenir voir les moutons, hein? J'ai laissé Steve. On va se séparer, c'est décidé. J'ai voulu t'en parler la fin de semaine passée, mais j'ai pas été capable. Je l'aurais laissé il y a longtemps, mais je suis retombée enceinte de Thomas. J'aimerais garder la maison. Pour les enfants, je pense que c'est mieux. Steve est d'accord, il tient pas à la maison, il va reprendre le condo au centre-ville. J'ai besoin d'argent. Je vais acheter sa part. La maison, il peut pas te la laisser. Il y a des dettes. Il doit vendre. Toi, t'as pas un peu d'argent? J'ai des dettes. On peut plus payer, là. On est plus capable. Mais pas déjà payé, la maison? Les autos, la maison, là, y a rien qui est à nous autres. J'ai pensé qu'avec tes actifs, avec la terre, tu pourrais peut-être emprunter. On parle d'environ 200 000. D'un gros montant, je sais. Je pourrais te rembourser quand les choses vont se replacer. Sinon, j'ai l'impression de reculer, papa. Je pense aux enfants. Je suis surpris. Je pensais que t'avais un peu de moyens. Mais pourquoi tu viens pas t'installer ici? J'ai de la place. Je vais m'occuper de vous autres. Papa, je te l'ai dit au moins 1000 fois, là.
On va pas venir vivre ici. Emprunter. Avec la ferme, je suis pris jusqu'au cou, Marie. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai souvent payé pour le loyer de ta soeur, je suis capable de t'aider toi aussi. Inquiète pas. Faut que tu gardes la maison, c'est certain. Non, je vais t'aider. Promis. Je vais m'occuper de vous autres. M. Gagnon, on a bien regardé votre dossier. Malheureusement, votre demande a été refusée. Vous avez un revenu net de 10 000 $ par année. Vous êtes près de la retraite. Oui, je peux mettre la terre en garantie. Mais vous avez déjà un prêt non remboursé et une marge de crédit. Malgré les garanties, même avec la terre, la ferme, on ne peut simplement pas accepter votre demande. Je pense que vous vous en doutiez. Oui, allô? Ah, salut, Marie. Puis les enfants, eux autres? Oui, je suis passé à la banque. Oui, j'ai encore des choses à régler, mais je peux avoir l'argent. N'inquiète-toi pas, OK? Tout ça va se replacer, c'est juste une mauvaise passe. Oui, je te rappelle. Salut, Marie.
Chez vous? Ouais. Il y a un temps dans la vie comme ça où le seul moyen de voir du monde un peu, c'est d'organiser des funérailles. Content de te voir, mon Gabi. Tout le monde est venu, je suis content. Serais-tu un petit peu acheteur? Puis toi, comment ça va? T'avoue franchement que j'ai pas dormi bien gros ces derniers jours. Mais ça va changer, là. Qu'est-ce que tu penses faire? On va se reposer. On va devoir se reposer, hein? Alors voilà! La bête que vous attendiez tous, la magnifique de la lignée des Starbucks, mes chers amis, regardez ça. Alors, vous avez vu sa mère, vous avez vu sa grand-mère dans les expos, et celle-là, vous allez sûrement la revoir, mes amis. Elle a seulement un an, cette bête-là, regardez. Alors, pour cette bête-là, il a dit qu'il me donnerait 1500 pour partir, 1400, et 1200, on va le prendre quand même. Et 1200 piastres pour partir, mon ami 12, qui m'en donne 1225, et 1200 piastres, celui qui me donne 1225. 1225, mon ami 1250, mon ami 1250. 1250 qui me donne 1275 pour mon ami 1275, 1250, 1275, 1275 de nous 13. 1300 piastres pour la magnifique bête. 13 d'année ou 13, 20. 1400! Non! Et 14, 25! 25 qui m'a donné 1450, j'ai 1425. Faites le tournée qu'on voit, regardez les membres de cette vache-là, mon ami. 1425, 50, 50 de nous, 100 de gain. 1400 de gain, qui m'a donné 16, 1400 de gain, mon ami, 1600. 16, mon ami, qui m'a donné 16, 25, 25, 25, 50, 50, 16 de gain. 16 de gain, ce qui m'a donné 17, 1600 piastres. Et voilà, messieurs, regardez ça ici, un lot, une pelle, une gratte, un râteau, tout ce que vous voulez. Alors, donnez-moi un offre, parce que c'est pour le lot. Alors, voici, mes amis, un offre pour ça. Est-ce qu'il y en a, mes amis, qui me donne 5 piastres? 5 piastres, c'est offert. Est-ce qu'il y en a, qui me donne 6, mes amis, 5, mes amis, 6. Si il y a, mes amis, 7, j'ai 7 piastres, 7, 8. J'ai 7, il y a 8 piastres, 8, 8,5, j'ai 8, 8,5. J'ai 8,5, 8,5, 9. J'ai 8,5, 9, 9 piastres, 9, 9,5, j'ai 9, 9, 9,5, j'ai 9 piastres, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 10. 10 piastres, c'est offert, 10, 9, 7,5. Et 10 piastres, c'est pour tous nous, les gars, mon ami, 10 piastres, c'est 10 piastres, 10 piastres, 11 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 piastres, 12 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 piastres, thank you.
Fait que les femmes tenues, ça t'intéresse pas, mon Gabi. Ça repartira avec. Ça traîne, ça ramasse la poussière. Pour le mois prochain, ça, je trouve pas l'électricité. À côté des cartables verts, ça empile. Ah. Je me demandais combien je pourrais retirer si je vendais. Vendre? Vendre quoi? Si je démantelais la ferme. Pas de toi, mon Gabi. Un estimé, là. Juste une idée. T'en as une idée, là? T'aurais presque rien. Si tu démantèles, là, si tu vends tout, là, mais vraiment tout, là, je veux dire, là, tu sais. Le troupeau, la terre, mais aussi la maison. La terre a une certaine valeur, mais c'est tout. Puis encore, pas planche, je peux rien faire avec. Après avoir payé tes dettes, la marge de crédit, là, il te resterait pas grand-chose pour ta retraite, hein? Ça fait pas assez. T'avais aucun filet, les agriculteurs. Regardez ça comme il faut, mais vite de même, là. Ça fait pas une grosse retraite, tu comprends? Surtout s'il fallait que tu meurs vieux. T'irais où, hein? Au village, y a rien à louer. T'irais en ville? Ben voyons. Désolé, mais t'as pas les moyens d'arrêter. Tu vas devoir continuer jusqu'à ta mort, comme tous les autres. Mes frères ont eu la bonne idée de déguerpir quand c'était le temps. Voyons donc, t'aimes ça, ici? T'as tes moutons, le petit Bouchard qui vient t'aider. J'aimerais ça pouvoir gâter mes enfants un peu. C'est Marie qui t'a encore demandé de l'argent, c'est ça? Elle veut se séparer de son mari. T'y vois jamais. Les filles ont plus besoin de toi, mon Gabi. Elles sont bien assez grandes, tes princesses. Bon, faire n'importe quoi, hein? Mène par le bout du nez. C'est des enfants. T'as toujours tout fait pour eux autres, toujours tout payé. Pour leur éducation, pour leur mille fantaisies. T'es toujours privé de tout. T'as plus besoin, là. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Faudrait pas que tu continues jusqu'à la déraison. Faut que tu sois raisonnable. Raisonnable. C'est pas parce qu'elles ont 30 ans que je peux plus m'occuper d'elles. Je suis encore leur père, oui. Hein? Donc, m'arrête ça tout de suite, là. Tu vends pas ta ferme, c'est de la folie. Pas toi, mon Gabi. Ils peuvent bien tout vendre, mais pas toi. Je connais les fermes. La plus belle petite bergerie, c'est toi qui l'as. Oui. Tu parles pas de ça à personne, OK? À qui tu veux, je parle. Bon, ça va faire. On boit. À ta ferme, Gabi. On est rendu. OK. Alors, vous pouvez me suivre? Ah, ben tiens, je vous présente le propriétaire, mon ami Gabi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Gabi, c'est à lui que vous allez payer. Puis après, on va aller en dedans, dans la bergerie, pour vous faire choisir, tu sais. Mais avant, il faut payer tout de suite à Gabi. Je vous ai dit combien, hein? Merci. Oui, c'est beau, merci. Parfait. Fait que, on va y aller, on va en dedans, on va suivre Gabi. Montre-nous le chemin. Allez-y. Gênez-vous pas.
Celui-là. Ça va? Entre une quinzaine de familles nouvellement arrivées en ville. Ils font travailler comme des broussailleurs dans la forêt. Ils n'ont peur de rien. Là. Ils payent cash, c'est bon, ça. Au début, je les ai amenés chez Jean-Marie, à l'abattoir. Lui, il savait pas. Quand il avait arrivé le prêtre avec son gros couteau, puis toute cette délégation, il était de 25. Bon, Jean-Marie voulait rien savoir. Lui, il voulait tuer le mouton avec son bat de baseball, eux autres. Il était scandalisé, tu comprends bien? T'aurais dû voir mon Babe Ruth, toi, devant mes muslims. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te les amener souvent. Ça me fait plaisir. Non, je suis content d'avoir vécu ça, mais... Non, non, une fois, c'est assez. Ah, mais tu sais, la loi dit que si t'abats toi-même, tu peux acheter directement de la ferme sans passer par l'abattoir. On peut faire ça légalement aussi, là. Propre, propre, si tu veux. Tu peux en profiter. Non, ce sera jamais rentable. C'est correct? Je vous laisse, j'ai des commissions à faire en ville. De nous avoir donné rendez-vous. Oh.
Est-ce qu'il est trop tard pour déjeuner? Je déjeunerai, moi. Bon, je vais commencer par vous donner ma carte. Voilà. Alors, nous autres, on est ici pour une première évaluation complète de votre organisation, ce qui va vous permettre de connaître votre actif et qui va vous amener à vous interroger du point de vue fiscal. Je vais aussi vous parler de mon équipe de professionnels qui va prendre en charge toute la préparation de votre troupeau et de votre machinerie pour optimiser la vente. Nous, on prend en charge la publicité, l'annonce pour l'encan, le site web, le catalogue, monter le catalogue, puis l'inventaire, etc. Nous, on pense que le travail d'une vie, ça vaut la peine de confier ça à une équipe de professionnels. Non. Gabi! Gabi! C'est quoi cette affaire-là? T'as fait ça tout seul? En camp? En camp, femme, gagnon et fils, démantèlement. Bienvenue à tous, 12-14, rang 3. Démantèlement, Gabi! Es-tu venu fou? La maison, la terre de ton père, tes asties de moutons, Gabi! Tu vas aller où? Tu vas aller où? T'es ton asti de courrier agricole. Mais calme-toi, là. Faut que je me trouve un logement. Je vous ai dit de rien laisser traîner dans le corridor. Ramassez-vous, sacrifice. Je veux plus vous le dire, là. C'est ça. Si vous avez la chambre. Là, faut nettoyer et peinturer. Hein. Les derniers locataires sont partis hier. C'est pas ramassé encore, là. Là, il était 8 là-dedans. Des jeunes de la Côte-Nord. Ils sont partis sans payer. Mais ici, c'est toujours pareil. Hein. Ou bien ils se sauvent, ou bien on les expulse, ou bien ils meurent. Mais ceux qui meurent, c'est comme ceux qui se sauvent. C'est bien rare qu'ils reviennent après puis s'excuser puis payer. Ah, regarde ça. Ils nous laissent toute leur vide. Au moins, on peut les revendre, ça fait toujours ça de prix. Hein. Ça fait que, c'est ça, si vous décidez de le prendre, je vais devoir vous demander des références. Ouais, c'est pour l'appartement à louer. Ouais, c'est au mois ou à la semaine, ça? Hey, es-tu malade, toi? C'est quand même pas un palace, ton affaire, là. Puis, c'est-tu une piscine creusée, quelque chose que j'ai pas vu sur la photo? Là? Oh, tu te prends pas pour un 7-Up, toi? C'est quoi ton nom? Non, non, je te parle pas des menaces, je te demande ton nom. Ah, tu veux que je te le dise en pleine face? C'est quoi ton adresse? Ben, c'est ça, mange à mal. Écoute, il n'y a pas grand-chose à ce prix-là. Hein? J'ai plus d'idées, moi. Pourquoi tu tiens tant à aller d'une place de même? T'es quand même pas un chien. Il y a des logements au centre-ville, sur le boulevard, à côté du pont. Ça,
l'habitat, ben oui, c'est un foyer de vieux. Mais non, c'est pas un foyer de vieux, c'est l'Office municipal d'habitation. Ben oui, mais il y a juste des vieux, fait que c'est un foyer de vieux. Ben ça donne bien, je suis vieux. De toute façon, c'est juste en attendant de trouver quelque chose de mieux. C'est des appartements comme ailleurs. Tiens, regarde, ils prennent le monde à partir de 50 ans, puis au moins ça va être propre, en attendant que je me trouve du travail en ville. Je peux aller tout de suite au cimetière aussi. Mais moi, j'irai pas. Ma femme m'attend à la maison. Elle va commencer à croire que je ne maîtresse parce que je passe du temps avec un vieux niaiseux de 63 ans qui cherche un appartement. Surveille-les, là, pour pas qu'ils se sauvent. On avait une salle commune en bas, mais il y a personne qui y allait, fait qu'on l'a fermé. Plus de salle commune. Juste des appartements individuels. C'est ici. C'est un exemple d'appartements qui sont disponibles. Vous avez des enfants, M. Gagnon? J'ai deux filles, oui. Elles viendront pas vous voir ici. Elles viennent une première fois au début, puis après ça s'arrête tout d'un coup. J'aime bien mieux vous le dire, ça devrait pas être différent pour vous si c'est comme ça pour les autres. Un char qui s'arrête ici, c'est tout un événement. C'est un peu droit pour vous en venir ici. Bon, c'est juste temporaire. Le temps de me revirer de bord. Les autres locataires, ils sont tranquilles? Oh, pour être tranquille, ils sont tranquilles. Je vais vous demander c'est quoi l'odeur. Ça sent le renfermé. La madame qui était ici avant n'ouvrait jamais sa porte puis ses fenêtres. Mais cette odeur-là, ça me pogne au nez. Vous faisiez quoi dans la vie, M. Bernier? Producteur d'agneaux. Éleveur. Fait que, pour les odeurs qui s'imprègnent, les odeurs de pension, vous savez de quoi je parle. Les agneaux, c'est des moutons, ça. Bon. Je peux vous faire visiter d'autres appartements qui sont disponibles. Je vous avertis, ils sont tous prêts. Non, ça va aller. La décision est prise. Je vais prendre celui-là avec la fenêtre puis le balcon. C'est fait. Bravo.
J'ai vu la pancarte à vendre. C'est pour la maison ou la ferme? Je vends tout. Pourquoi? Intéressé? Ben oui, ça m'intéresse. Acheteur ou juste intéressé? Tu peux pas vendre la ferme comme ça. T'aurais dû nous en parler avant, Gabi. Je me débarrasse de mon chien. Ça pourrait intéresser à le prendre. Oh, je peux pas. C'est déjà les miens. En plus, ils font juste se battre ensemble. Je suis pas capable de le tuer. C'est niaiseux. J'ai toujours fait ça moi-même, puis là, je suis pas capable. François m'a parlé de toi la journée avant de mourir. Avant de faire sa connerie. Il disait que tu marchais encore ta terre à chaque jour, que t'avais pas perdu l'habitude. Je pense qu'il serait triste de voir partir aujourd'hui. De démanteler ta belle ferme. Il a trouvé belle ta ferme. Il t'enviait, je pense. Je sais pas comment je vais faire pour continuer ici toute seule. Tu devrais prendre le petit Bouchard avec toi, ça serait mon affaire. C'est un garçon vaillant, puis il est fiable, puis tu te sentirais moins toute seule. Je serais contente de pouvoir aider quand j'ai trouvé une place. OK, je vais l'appeler. Oui. C'est pour votre chien qui est là? Oui. Est-ce qu'il est malade? Non. Est-ce qu'il a un problème quelconque? Non. Quel âge? 10 ans. Vous voulez le faire euthanasier? Oui. C'est 25 $. Vous faites ça comment? C'est une petite capsule de gaz, ça prend 15 secondes. Je vais l'amener à l'arrière, puis je vais faire ça en 3 heures. C'est 25 $. Thank you.
Papa nous avait laissé la terre à nous trois. C'est notre seul héritage. L'argenterie de maman, c'est à peu près tout ce qu'on a eu. T'as pu travailler puis gagner ta vie pendant 40 ans sans terre à papa. Et c'était bien correct, là. Maintenant, si tu vends, il nous semble qu'on a tous droit à notre part. Ça serait injuste que tu gardes tout pour toi. Ça fait 40 ans que je travaille tout seul sans terre. Ça vous a jamais intéressé, vous autres. Vous vous êtes sauvés. Je me suis toujours occupé de tout. Vous étiez bien content que je prenne le relais. Vous savez pas c'est quoi le travail? Faire des sacrifices. Vous avez toujours été des étrangers ici. Il n'y a jamais eu une homme qui s'est inquiété pour cette ferme-là. C'est mes affaires. On peut-tu me laisser tranquille? Je veux plus vous voir. Allez-vous-en. Prends pas ça de même, Gabi. Je veux plus vous voir, j'ai dit! Merci. Ça va? Oui. Toi aussi? Est-ce que je peux t'aider? En fait, c'est pour Frédéric. Je lui demandais quoi y acheter. Frédéric porte pas de bijoux.
Je me disais une montre. Les montres pour femmes sont ici. Celle-là? Laquelle tu préfères? Celle-là est plus discrète, ça ressemble plus à Frédéric. Elle n'a pas déjà une montre? Je sais pas. Ah oui, celle-là est bien. Oui, je vais la prendre. Oui, celle-là, c'est bien. Est-ce que tu vas prendre un emballage cadeau? Non. Tu vas l'emballer toi-même? Je peux le faire. Oui, si tu veux. Ça fait une demi-heure de route pour ça. Mais je voulais te parler. Me parler? Est-ce que ce serait possible d'aller dans un endroit tranquille? Là? Si c'est possible. Je dois rester ici. André est occupé en arrière. Oui, oui, je vais t'appeler. Oui, c'est mieux comme ça. Je vais t'appeler. La montre? Ah oui, la montre. Encore cette vieille veste-là, toi? Oh, j'en ai pas besoin, fait qu'elle peut user. Juste pour mon linge. Vois-tu les filles de temps en temps? J'ai vu Marie il y a pas longtemps. Toi? On se voit quand je vais à Montréal. Assez souvent. Je leur parle au téléphone. J'ai vu Frédéric au théâtre dernièrement. Elle est tellement bonne. Qu'est-ce qui t'a pris, là? Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Les enfants? Si elles avaient eu quelque chose à dire, elles auraient dû le dire avant. Hein? Mais elles savent pas, je veux pas que tu leur dises, OK? Ça les intéresse pas, la ferme. Ils ont leurs affaires, ça les occupe. Frédéric, ça aurait pu l'intéresser, hein? Frédéric, mais j'ai jamais de nouvelles d'elle. Le fils de ton frère, Marc. Marc, mais il veut rien savoir. J'ai tout essayé, je voulais l'encourager. Il est comme son père. Puis mon autre frère, lui. T'as toujours dit qu'une ferme, ça se vendait pas, que ça se transmettait. Mais oui, mais ils veulent pas, Françoise. Ils veulent pas. J'aurais dû leur en parler, toi. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Tu vas pouvoir rester là, à la maison? Je vends la maison aussi. Je suis obligé. Je m'en vais en appartement. En appartement? Une chambre, un petit appartement, je vois. Essayer de me trouver du travail ici, là, en ville. Pourquoi t'es venu? Je me demandais si on pouvait revenir ensemble. Es-tu devenu fou? Dans ton appartement? Je suis avec André. Tu te rappelles d'André? C'est mon mari. Non, c'est moi et ton mari. Venir ensemble, voyons. J'espère que tu vends pas la ferme pour ça. Ça va faire 20 ans qu'on n'est plus ensemble, mon pauvre Gabi. Je pense à autre chose, moi. Ouais. Il faut que j'y aille. Je sais pas ce que tu vas faire sans ta ferme. Je comprends pas.
vont revenir, là, madame? C'est ton ami Louis qui m'a appelé. Il m'a dit que je devrais peut-être venir te voir. Pourquoi tu fais ça? C'est Marie, c'est elle qui t'a demandé de l'argent? Elle sait-tu que tu vends? J'ai pas dit. Je veux pas qu'elle sache. Ça lui fera de la peine. Quand on s'est mariés, ta mère puis moi, on se disait que la ferme de mon père allait toujours être là pour nous aider à passer à travers les difficultés, les problèmes de la vie. C'était notre bonheur. Puis on se disait que ça allait être la même chose pour les enfants, pour Marie puis toi. Puis aujourd'hui, je réalise que tous les problèmes que j'ai eus dans la vie, c'est la ferme qui me les a apportés. Comprends-tu? D'abord, mes frères sont partis. Après ça, ta mère est partie à cause de la ferme. Elle souffrait. Elle étouffait. Puis vous êtes partis, vous autres aussi, les enfants. La ferme Gagnon et fils m'a réveillé toutes les nuits. Elle m'a fait des misères exprès. Elle m'a fait me sentir coupable. Mais c'est ma ferme, pas celle du voisin. Elle m'a gardé là. Elle m'a fait aller de travers toute ma vie durant. Puis aujourd'hui, j'ai l'occasion d'avoir mon dû, de la faire payer. J'ai pas eu de fils pour m'aider, mais j'ai deux belles filles que j'aime. Tout le monde a toujours cru que ma vie, c'était ma ferme, ma terre. Tout le monde se trompait. Ma vie, c'est mes deux filles, c'est vous autres, les enfants.
Les pères doivent toujours donner pour être heureux, c'est de même. Je veux que vous puissiez continuer à vivre la vie que vous voulez. C'est la seule chose que je souhaite. Ta soeur a besoin d'argent. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Marie, profite de toi, papa. Je le sais, ça. Elle a toujours été de même, ta soeur. Elle peut profiter de moi, ça me dérange pas. Tu sais, je suis fier. Je te félicite d'être parti, d'avoir voulu faire autre chose. Puis je veux que tu puisses continuer à faire du théâtre, que tu puisses continuer à vivre dans la grande ville, comme tu le souhaites. Mais t'es jamais venu me voir jouer au théâtre, papa. Mais oui, mais c'est pas parce que je voulais pas. Je vais pouvoir y aller, là. L'encan va se faire demain. On vend le troupeau, les bâtiments, tous les équipements qu'il y a dedans, mes vieilles machines, la maison, je garde rien. Je vais pouvoir y aller, là, à Montréal. Tu repars pas tout de suite? Je suis pas pressée. Je peux rester une journée ou deux. Toute la semaine, si tu veux. Alors voilà, les Texels que vous voyez là, des brebis de 3 ans, alors les autres sont garantis gestants depuis septembre. Alors il y a 8 brebis, dont vous les vendez l'unité. Alors une offre pour les brebis qu'il y a là, des magnifiques brebis, messieurs. Qui me donne 200 pour partir? Les 100 piastres pour partir. Qui me donne 125? Les 100 piastres pour partir. Est-ce qu'il y en a qui me donne 125? Et seulement 100 piastres, c'est lui qui me donne 125. Donnez-vous 150, c'est 125 piastres, puis 250, 125, 150. 150, donnez-vous 175. Rien que 150, les gars, vous n'avez pas le prix. 150, donnez-vous 175. 175, moi, donnez-vous 2. Et 175 piastres, donnez-vous 200, donnez-vous 200 piastres. 200, donnez-vous 225, et 200, donnez-vous 210 d'abord. 210, 210, 220. Et 210, mets-tu 220, 210, 220, 220, 220, 230. Et 220, mets-tu 230, 220, 230, 230, 240, 230, 240, 240, 250. 250, 260 et 250. Es-tu 260? Seulement 250. 260, 270 et 260. Les gars, c'est pas le prix, des purs comme ça. 260, 270 et 260. 260, mon ami. Personne qui veut 260. Dernier cri, 260 et 210. Es-tu 280, 280, 80, 90. 300 piastres, merci. Et 300 qui me donnent 310. Et 300 piastres, les brebis qui me donnent 310. 300. Si personne qui veut 300, c'est en bon, il y a 300. Vendu. 300 piastres, les brebis, vous voyez là, mon ami. Enough. Amenez-en d'autres, les gars, mon ami, moins bref. Ton ami Louis, t'as acheté une affaire?
Je pense que ça pourrait faire plaisir. Mon compresseur bleu. Ça fait longtemps qu'il voulait. N'arrêtez pas de me le demander. Ils ont vendu le troupeau. Tu peux me dire où c'est que tu vas mettre tout ça? J'ai loué un espace dans un entrepôt au village. Je mets presque tous mes meubles là. J'ai pas beaucoup de place dans mon appartement. Ton appartement? T'as un ordinateur, toi? C'est Louis qui a mis ça ici, je m'en sers pas. Est-ce qu'il fonctionne? Je sais pas. Thank you.
Je vais y aller à Montréal. Promis. Tiens, je t'ai acheté un cadeau. Une montre. Tu l'ouvriras sur le train. Une montre. Comment ça s'est passé? Pas fameux. Je suis venu chercher mon nouveau compresseur. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Tu m'appelles si tu t'ennuies? Éteins, gros. Éteins.
On a bien reçu les papiers de votre agent immobilier, la promesse d'achat pour le terrain. J'ai fait préparer les papiers pour les signatures pour le prêt. Ma fille doit arriver d'une minute à l'autre, là. Elle partait de Montréal. Oui, votre fille a téléphoné tout à l'heure. Elle a dit qu'elle pourrait pas être là pour la signature, mais on a tout arrangé. On va pouvoir lui faxer les documents, puis on va les signer de chez elle. Hein? Elle aura pas besoin de se déplacer pour rien. C'était moins compliqué. Ouais. Ça va me prendre une petite signature ici. Une ici. Vos initiales ici.